Laissez jouer le scorpion. Salut et bienvenue, on se retrouve pour le 9e épisode de Diablo 2 Resurrect avec l'assassin. Donc on va reprendre là où on est arrivé. On avait tué Isual, on a nos deux points de compétence à mettre, ce qui nous en donne 3 actuellement. Alors, je suis en train de me demander, est-ce que je suis en train de faire une erreur en mettant mes points sur les deux tendances. Sachant qu'il faut au moins que j'aille chercher ça, histoire d'avoir un leurre. Mais ça va prendre 1, 2, 3, 4. 4 points. Bon, je vais mettre un point ici en transcendance pour pouvoir avoir un skill qui augmente ma résistance quand j'en aurai besoin. Ouais, on va attendre un peu. Je vais mettre un point ici. Un point là. On va y aller avec tout ça. Comme ça. Prochain point, j'aurai mon clone. Bon, là, le quête, on le ferme. Meurs pas, s'il te plaît. Dans la version de base, l'aura qui s'activait pas, c'est réglé comme problème. Et il n'active pas son aura de base. Ah, voilà, enfin. Un grand écu, donne-moi 4 trous. Étant donné que les trucs de bug vont être à opposer. Je fais quoi encore? 22 à 50. Mon piège, il fait 51 à 50. Et voilà, je l'avais dit. Sensible au feu. Alors, ça va marcher. Au niveau 25. Ah,
pas si cher que ça. Et revendre plus cher l'armure. Ok, on fait des prévisions. Prévision et prévision. Prends des coups, ok. Mana, mana. Et c'est pété. Allez hop, donne-moi les affaires. Ah, putain. Elle est nulle. Taltul Ortham, si je me trompe pas, pour le Morunic. C'est tout armé en plein côté prochain. Ok, on va avancer, on va aller jusqu'au relais et puis on va retourner en ville. Bien de m'en rendre compte.
Et j'avais dit le clone. Alors. 4. Hop là. Voilà. Extraction pour les ennemis. Alors, hop là, donc, félicitations, oui, donc, la quête est finie. Alors, donc, je te vends ça, hop, ici, il y avait des bottes, hop, bon, je te prends par chemin, hop là, et hop là, ça je le garde. Voilà. Ensuite, oh, j'avais même pas de ligne avec des diamants. Je commence à avoir trop de diamants. Alors, tulle, porte. Et puis non, je vais avoir des âmes ici. Porte âme. Je vérifierai, mais c'est censé être ça. Bon, on va racheter des potions. Et bien sûr, esprit. Voilà, donc là je suis censé avoir plus 3. Voilà, pas partout. Hein, quelque chose qui est pas normal. Ah oui, non, c'est vrai, les autres c'est plus 1. Plus 1 au piège. Donc voilà, mon piège fait 60 à 67 et est considéré niveau 16. Vol de vie en plus, encore, vol de vie, vol de mana. Ah,
chance de toucher 67%. Ouais, c'est nul. Mais bon. Pas corps à corps, ma force. C'est le piège. Donc, je veux pas gâcher des stats à mettre en dextérité. Ça va pour occuper Bartok. Un jour je l'ai. Donne 112. Pas les atteindre. Ici. Regardez les dégâts de la petite ici, 1,23. Ok, bon, on a cleané un point. Ouais.
résistance, l'ombre. Allez, active-le. Complet, ça, ça doit être bon. Ok, bon, on va prendre le portail et on va l'utiliser. Bonjour. Heureuse de vous voir. Hop là, on va ça, on va ça, on va ça, on va ça, ça, ça va rien. Hop, voilà. Potion. Salut à vous, Jean. Et hop, alors, on va mettre un portail, hop, oui. Plus de mercenaires, plus de clous. Thank you.
a tellement d'enjeux des éclats. Bien, prends tout, mais dans ce cas-là. Il faut plus de mort. Endurance. L'erreur d'Aéron est enfin corrigée. On va mettre ça dans la ceinture, 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 ceinture. Hop, on va faire un peu d'espace. On va là. Bon, un anneau. Et là. Alors, enfin, plusieurs allers-retours. Oui, il faut les prendre. Ok, hop, première allée. Alors, Villa, Vidala. Ok, ça, hop, oh, click go. Ok, déglao. C'est quand même puissante. Niveau 22 pour un barbare qui veut faire du lancer pour un plus vol de vie. L'anneau. 10 de vie, 10 d'endurance. Ça augmente le score d'attaque. Résistance, résistance. 28 de résistance au feu. Hop là. 4 de mana. Non, merci. Ok. Ça tout proche, là je peux les regrouper. Voilà. Ah. À la place. Ah, oui. Ordonner quand je peux. Ok, oui, j'avais pas de place du tout pour mettre des affaires dans les onglets partagés. Ok, je pense que je vais prendre ça temporairement. On va au moins mettre ça ici. Ça, je peux le bouger. Ça, pas grand chose de bouger tout ça. Donc, on peut au moins faire ça. Déjà le je vais voir comment faire de la place avec ce que j'ai. Je peux pas faire beaucoup de place. Solo. Ok, bon. Bonjour. Ici. Ça, c'est Isenheart. Ok, ça irait avec l'armure, donc ça c'est pas mal. Villa Dalla. Est-ce que ça peut être intéressant ça pour mon archer? Elle est pas encore montée, donc oui. Sauf que. Et pas de place. Ouais.
ça. Oui. Est-ce que tu as trouvé une place pour l'arc? Là, je crois que ça sert à rien. Donc je peux pas le garder. Ok, on retourne ramasser le reste. Une faute, une faute, voilà. Main gratuit. Restez un instant et écoutez-moi. Heureuse de vous voir. Hop là. Hop là et hop là. Voilà. De l'argent facile. On va quand même déposer dans le coffre. Et acte 5. Voilà. Donc, avant d'aller plus loin, ici, on va s'arrêter pour cet épisode. Alors, j'espère que vous l'avez suivi jusqu'au bout. Merci. Et puis, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et cochez la cloche pour ne manquer aucune autre vidéo de la chaîne. N'hésitez pas à mettre un commentaire également. Et quant à moi, je vous dis à de prochaines aventures. Ciao. Bye bye.